Monde ouvrier, fin du monde ouvrier, crise de la société industrielle, retour de l'industrie, avènement de la société post-industrielle, ce sont autant de mots qui aujourd'hui parcourent sans arrêt le débat public. En général aussi, les politiques ou les journalistes font mine de croire que ces débats ont fait irruption dans l'espace public il y a seulement 10 ou 20 ans. Or, l'expérience historique montre au contraire que la question de l'industrie et la question de la crise des sociétés industrielles, du moins telles qu'elles ont été bâties au cours du XIXe siècle, est une question qui remonte au moins aux années 1950 en Europe et aux États-Unis. C'est tout l'enjeu de mon projet de recherche d'essayer justement d'explorer la crise de ces sociétés industrielles, la crise non seulement économique, mais la crise qui est aussi sociale, politique et culturelle. Pour mener cette exploration, j'ai choisi un monde ouvrier extrêmement particulier, qui est le monde des mineurs et des mines de charbon. On pourrait s'étonner pour commencer de ce choix, puisque aujourd'hui, le mineur ou les mines de charbon ne paraissent relever que d'un temps extrêmement ancien, c'est l'image classique de Germinal, le roman d'Émile Zola, ou ne paraissent relever que du lointain, c'est-à-dire des expériences qui aujourd'hui se retrouvent davantage en Chine, en Inde, en Afrique ou en Amérique du Sud. C'est une erreur pourtant de croire que les mines aujourd'hui n'auraient plus rien à dire à l'Occident, ni à l'Europe, ni à la France. En effet, il faut d'abord rappeler que pendant longtemps, les mines de charbon ont constitué l'équivalent du pétrole, c'est-à-dire la principale source énergétique, le pain de l'industrie, comme on disait alors, et ont constitué une industrie, l'industrie même de base par excellence, cela entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Ce serait oublier aussi à quel point les mineurs ont constitué un élément moteur, majeur du monde ouvrier, c'est vrai en France, c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai en Allemagne, à la fois sur le plan du point de vue numérique, du point de vue de l'organisation sociale, mais également du point de vue du symbole. Pour le Parti communiste français et pour la gauche française en général au milieu des années 50, c'est bien le mineur qui incarne le prolétariat, à la fois le héros de la production et également le martyr de la production du fait des accidents et des maladies. Donc il y a un véritable enjeu à travailler sur les mines de charbon. La deuxième raison qui explique mon intérêt pour les mines de charbon est que, si j'ose dire, les mines de charbon constituent un cas d'étude particulièrement intéressant. D'abord parce qu'il s'agit d'une désindustrialisation et d'un processus de crise relativement précoce. Les premières fermetures de mines en France ont lieu dès la fin des années 1950. Et en même temps parce que c'est un processus qui s'étale sur plusieurs décennies. Ça n'a rien d'une crise brutale, mais au contraire d'un processus long. En effet, si les premières mines ferment à la fin des années 1950, les dernières ne fermeront qu'en 2003 et en 2004, en Provence et en Lorraine. Donc on en a ici toute la matière pour explorer un processus de déstructuration d'un secteur industriel dans différents contextes, à la fois un contexte de haute croissance économique, celui des Trente Glorieuses, et ensuite dans un contexte de précarisation et de chômage généralisé à partir des années 70. La troisième raison, enfin, qui peut expliquer l'intérêt que j'ai éprouvé pour les mines et pour les mineurs, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la charge symbolique qui avait longtemps entouré les mineurs n'a pas tout à fait disparu, sauf qu'elle s'est aujourd'hui presque totalement inversée. Autant le mineur, au moment de la Seconde Guerre mondiale, était le héros du prolétariat, autant aujourd'hui, il est devenu finalement le symbole de l'archaïsme. Il n'y a qu'à voir la manière dont, par exemple, aujourd'hui, on considère les ex-bassins miniers européens comme des terres de pauvreté, de privation, et également comme les terres par excellence d'alimentation des nouveaux populismes, et notamment du populisme d'extrême droite. Donc c'est toutes ces raisons expliquent pourquoi j'ai décidé de me concentrer sur la question des mines de charbon. C'est aussi parce que les archives ne manquent pas. Alors elles n'ont rien d'ordonné. On pourrait penser que les mines comme industrie d'État, ont eu des archives extrêmement organisées. Ça n'est pas le cas. On trouve évidemment des archives de l'entreprise nationale. On trouve également des archives dans pratiquement tous les coins de France, dans le Nord, en Lorraine, mais aussi dans les Cévennes, dans le Sud-Ouest, du côté de Decazeville et même du côté de la Provence.
Donc un massif d'archives très variées, par ailleurs, qui ne comportent pas simplement des archives écrites, mais aussi des archives orales, des images, également des témoignages oraux. Hein. Les mines paraissent aujourd'hui très lointaines, elles n'ont pourtant pas fermé il y a si longtemps. Et il y a un véritable intérêt aussi à écouter ce que dit la parole ouvrière de ce processus de fermeture. L'enjeu, c'est aussi de développer au maximum des approches à la fois plurielles et interdisciplinaires de ce processus, c'est-à-dire des approches qui ne se concentrent pas uniquement sur les politiques menées du haut par les acteurs politiques et sur la réception par les ouvriers de ces politiques, mais qui essaient au maximum de trouver les arènes, les lieux de débat, les moments où se nouent les questions liées à la désindustrialisation. Le troisième enjeu est enfin de souligner à quel point cette question n'est pas strictement régionale, n'est même pas strictement nationale, mais profondément européenne, voire mondiale. C'est-à-dire que le processus de fermeture des mines a concerné la quasi-totalité des pays européens et de l'Amérique du Nord, avec des moments extrêmement violents. On se souvient de la grande grève des mineurs britanniques en 1984. Elle concerne aujourd'hui, sous d'autres formes, des pays où aujourd'hui encore les mines existent. Donc il s'agit également de promouvoir une histoire qui ne s'enferme pas dans un contexte local, mais développe une approche la plus large et la plus interdisciplinaire possible des bassins miniers. À la clé, il y a infiniment de questionnements, à la fois sur la manière dont l'État en France et ailleurs en Europe a mené cette politique de fermeture, les activités de substitution qui ont pu être proposées, la manière dont a été vécu le processus de fermeture, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses moments parfois tout à fait inopinés ou inattendus. Il faut savoir par exemple que les maoïstes de mai 68 vont être très actifs dans une partie des bassins miniers, à un moment où ces bassins miniers sont déjà en crise. Il y a aussi des interrogations à avoir sur les raisons pour lesquelles le mineur passe de ce statut de héros à ce statut d'antithèse finalement, ou de représentant par excellence de l'archaïsme industriel. Enfin, il y a une question qui n'est pas close sur s'agissant de savoir ce qu'il est possible de faire aujourd'hui des restes des mines, à la fois sur le plan des esprits, sur le plan des paysages, sur le plan de ce qu'a laissé derrière elle une industrie omniprésente dans la vie des ouvriers. On pense par exemple à la belle image qu'offre aujourd'hui le Louvre-Lens, ce musée antenne du Louvre qui est installé sur ce qui était il y a 40 ans un ancien puits de mine. Donc autant de questions qui restent aujourd'hui ouvertes, autant de questions que j'envisage d'explorer, avec l'idée que ces questions, elles n'ont pas simplement à dire sur le passé, elles ont beaucoup à dire sur le présent. Au-delà du dilemme encore classique aujourd'hui qui opposerait l'archaïsme et la modernité, il s'agit de penser ces expériences industrielles et de se demander ce qu'elles peuvent nous dire, ce qu'elles peuvent nous apprendre sur le présent et sur l'avenir des sociétés occidentales aujourd'hui.